Le Bénin dispose d'une réserve de biosphère appelée la Pendjari. Depuis quelques années, les populations riveraines exercent une pression sur les ressources naturelles du parc de la Pendjari à travers leur collecte de plus en plus massive de bois énergie. Habituellement pour assurer la cuisson des repas dans les ménages, les femmes utilisent les foyers à trois pierres. Un foyer traditionnel très gourmand en bois de feu qui expose les femmes avec leur progéniture à plusieurs maladies respiratoires. On en a eu pour l'année 2014, toute l'année, 21 569 personnes qui ont consulté un centre de santé de la zone, donc dans les trois communes. Ça fait 14% de l'ensemble des consultants qui sont venus pour un problème pulmonaire. À cela, on va ajouter maintenant ceux qui ont eu des problèmes de rhume, des problèmes à la gorge, etc. Donc là, on a eu 5519 consultants. Ça fait 4%. Si vous faites 4% plus 14%, 18%. C'est une grande part dans la morbidité dans notre zone. Deuxième position derrière le paludisme. Face à ce tableau peu reluisant, peint par les hommes de santé, et vu l'avancée du Sahel dans les communes riveraines du parc national de la Pendjari, l'organisation non gouvernementale Eco-Bénin, qui travaille dans l'écotourisme, a lancé des recherches à travers le PROFAEB, le projet de fabrication de foyers améliorés de type érythréen au Bénin. Ces recherches ont abouti à ce foyer amélioré dénommé Wanro, signifiant la vie en langue nationale béninoise Batono. Au cours de nos activités, nous nous sommes rendus compte que pour la survie des populations et pour la survie du parc de la Pendjari, il fallait nécessairement réduire la pression des populations, notamment sur les ligneuses qui constituent l'habitat spécifique des espèces protégées dans ce parc-là. Au cours de notre étude prospective, nous avons trouvé que c'est seulement les foyers améliorés qui sont les plus indiqués pour réduire la consommation de bois de ces populations-là. Wanro est une solution d'efficacité énergétique pour les ménages ruraux face à la problématique des changements climatiques au Bénin. En effet, plus de 7 millions de tonnes de bois énergie sont utilisées par an pour la cuisson des repas au Bénin. Au quotidien, environ 6,5 kg de bois de feu sont prélevés par ménage dans la zone d'exploitation de la réserve de la Pendjari. Avec l'innovation Wanro, Eco-Bénin vise à réduire la déforestation et la dégradation des terres par l'amélioration des rendements énergétiques dans les ménages et faire la promotion des activités agricoles durables face au changement climatique autour des réserves protégées du Nord Bénin. Nous avons commencé à réaliser timidement ce foyer construit à base de l'argile ou de la terre dans les villages où nous travaillons, notamment dans le village de Tanongu et de Batia qui sont à l'entrée du parc national de la Pendjari. Pour démarrer les activités du projet, Eco-Bénin a ciblé une quarantaine de villages des 5 communes du département de l'Atakora situées à proximité de la réserve de la Pendjari. Ces communes sont Materi, Tanguieta, Kobli, Kérou et Bukumbi. Elles rassemblent plus de 435 000 habitants, dont plus de 95% utilisent le bois de feu pour la cuisson. Mahara, la quarantaine, est mère de 5 enfants via Materi. Elle était une commerçante de bois. Elle faisait ce business pour subvenir à ses besoins. Mais à l'avènement de Wanro, elle s'est laissée convaincre, malgré quelques résistances, pour abandonner le commerce des bois énergie. Mahara a désormais adopté le foyer amélioré et mieux, en fabrique à d'autres femmes.
quand je suis venue dans le quartier, ici, c'était uniquement de la brousse. Il n'y avait même pas de maison là. J'ai eu la première maison ici et tout autour, il n'y avait que des arbres. J'avais commencé par aller couper des bois en brousse que je revendais. Ce matin, il y avait une transformatrice de riz qui était venue me voir pour demander si je peux lui fabriquer le foyer. Et j'ai accepté en lui demandant de ramasser des termitières mortes et ensuite on fera les briques. Je lui ai même dit que je vais lui apprendre à fabriquer le foyer. On fabrique les deux foyers à 2000 francs, mais les démunis, on le leur fait gratuitement. Les utilisatrices de Wanru ne tarissent pas d'éloges sur ce foyer amélioré de type érythréen. Depuis qu'on a construit le foyer, je suis contente. Je prépare très vite et mes enfants mangent à l'heure, malgré mon commerce. Avant, j'achetais du bois pour 250 francs, mais maintenant pour 50 francs, ça me suffit. Et les enfants peuvent même chauffer l'eau pour se doucher avec. Wanru est également utilisé par des femmes qui font de la transformation du riz. Chez elles, on retrouve le grand format du foyer. Pour Wanru, on pense qu'avec Wanru, ça, on va beaucoup. Wanru est très économique pour nous. On utilise très peu de bois maintenant pour nos activités et c'est un foyer qui accélère la cuisson de notre riz en le rendant propre. Dans le temps passé, j'utilisais les foyers ordinaires et j'avais des difficultés parce que quand je faisais la cuisine, mes larmes coulaient souvent parce qu'il y avait assez de fumée. Et mes yeux n'arrivent pas à supporter cela jusqu'à ce que l'œil gauche a été opéré. Et après ça, maintenant, c'est là qu'on a eu des gens qui sont venus pour nous construire des foyers Wanru qui m'a beaucoup aidé. Parce que ces foyers-là, quand je les utilise, la fumée sort de l'autre côté. Donc la fumée ne dérange pas mes yeux. Et ça m'a fait du bien. Pour convaincre plus de femmes à accepter Wanru, Eco Bénin envoie régulièrement sur le terrain ses animateurs et formateurs. C'est le cas d'Adrien qui s'est déplacé à Tanougou pour une séance de sensibilisation. Le processus de fabrication du foyer amélioré de type érythréen est amplement expliqué aux femmes, puis démontré par Adrien. Et bien positionner les briques. Vous déposez votre cylindre. D'accord? Donc ça c'est l'entrée de la fumée. C'est par ici que la fumée va sortir. Pour entrer dans la cheminée. Vous posez votre marmite. Voilà. Donc vous finissez, vous allez lisser le foyer pour qu'il soit bien présentable, bien joli et le décorer si vous voulez. Voilà, donc à la fin, on doit avoir un foyer comme ça.
Nous faisons ces séances dans les villages qui sont impliqués dans le projet pour former les femmes, leur apprendre le processus, les techniques de construction des foyers améliorés ou en roue. Donc ce sont des femmes, on les appelle des monitrices, c'est elles qui sont chargées de diffuser le foyer au sein des villages. Elles sont les premières à avoir les foyers lors de la formation. Donc quand elles ont utilisé le foyer, elles sont convaincues de l'efficacité du foyer. Elles vont maintenant dans le village et elles sensibilisent leurs amis, les autres femmes qui utilisent des foyers trois pierres. Elles les sensibilisent et elles les aident dans la mobilisation de l'argile, de la termitière morte, de la paille et de la bouse de vache. Et elles construisent avec d'autres femmes. Elles construisent le foyer dans la maison. Et après, c'est elles qui font le suivi. Toutes ces activités permettent aux populations de s'assurer un mieux-être. Ce qui fait plaisir aux représentants des villageois au sein de l'AVIGREF, l'association villageoise de gestion des réserves de faune. Ces derniers apportent leur soutien indéfectible à l'innovation Wanro. Bon, il faut dire, au-delà de notre participation à toutes les rencontres et à toutes les activités, il faut dire qu'on cofinance aussi la promotion de ce foyer en périphérique. Il faut aussi dire que dans les villages, nous jouons un rôle très essentiel, notamment la sensibilisation des populations par rapport à ce foyer qui, pour nous, est venu à point nommé pour la réduction surtout de la déforestation. École primaire publique Nagasiga Kani, dans la commune de Materi. Nous sommes à plus de 600 km de Cotonou, la grande métropole béninoise. Ce matin, les écoliers de la classe du CM2 reçoivent des enseignements sur les changements climatiques. Obo Tumudagu, l'enseignant amène ses apprenants à bien cerner les dangers auxquels nous expose la déforestation et la coupe sauvage des bois de feu. À Materi, le désert est juste à côté. L'enseignant tire la sonnette d'alarme. C'est une autre forme de sensibilisation. Ma fille, tu as fait un peu. À côté de ce rôle de monitrice que joue Mara, elle s'est aussi reconvertie. Elle élève des canards, un volet du Profaeb qui consiste à amener les femmes commerçantes du bois énergie à faire d'autres activités pour s'adapter au changement climatique. Dans un premier temps, on est parti de la formation, de la compréhension de la mise en place de ces canards. On a jusqu'à 100 personnes à mettre en place. On se dit, si on lance tout de suite les 100 personnes, on ne peut pas avoir un bon résultat. Donc, on ira par échelon. Donc, dans un premier temps, depuis l'année passée, on avait sélectionné 15 productrices ou bien revendeuses de bois de feu. Et c'est ces 15-là, disons, c'était un truc témoin qu'on va d'abord faire avant de commencer par dupliquer maintenant sur les autres. Donc c'est ces 15-là qui viennent de finir la première phase avec ce succès que vous êtes en train de voir devant nous. Quand on envoie les sujets sont accompagnés dans un premier temps avec un kit pharmacie et les enclos tels que vous voyez le grillage avec la paillote où les canards vont souvent se reposer. Donc après ça, il y a les formations qui sont étalés sur 5 séquences. Mara entretient bien ses canards, à l'instar de Fatih, une autre commerçante de bois reconvertie. L'enclos est bien nettoyé afin de garantir un cadre de vie sain aux volailles. Fatih a signé un contrat avec Profaeb, le projet qui promeut Wanro. Eco venait nous a donné les canards.
Eco Bene nous a donné les 7 canards pour l'élevage. On va élever ça après. Un an après, on retourne à l'ONG 3 femelles et un mâle. L'opération est répétée 6 mois plus tard. 3 femelles. Après, le reste des canards m'appartient pour toujours. Dans ce volet du projet qui a pour objectif de faciliter la reconversion des coupeuses de bois énergie, outre l'élevage, il y a la banque de semences de maïs et du soja, ainsi que la transformation du karité en beurre. Maintenant que le projet est venu nous aider à trouver les graines, on vend un peu et on fait aussi le savon. Tout cela est rentable pour nous. On arrive à comptabiliser environ 10 000 francs CFA. Cette année, ils ont amené 2 tonnes. Cette année, ils ont amené 2 tonnes de semences, mais la production nous permettra d'atteindre 30 tonnes de maïs. Ce sont des semences améliorées de maïs qui sont de bonne qualité. Vu les résultats obtenus sur le terrain quelques mois seulement, après la naissance du foyer Ouanrou, le bailleur de fonds du Profaeb, l'AWAC, l'Agence Wallonne de l'air et du climat, qui reste solidaire des habitants de cette partie du Bénin, subissant les effets des changements climatiques, se félicite de financer cette initiative qui contribue, d'une manière ou d'une autre, à la réduction de la pauvreté dans le septentrion du Bénin. Bref, Ouanrou est une innovation qui participe au développement. Nous sommes en train de diffuser 12 000 foyers Ouanrou. Nous sommes actuellement autour de 9 500 foyers déjà diffusés dans une cinquantaine de villages. C'est depuis l'accord de Copenhague de 2009 que les pays développés se sont entendus pour mobiliser des fonds pour aider les pays en voie de développement à faire des actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique à travers des projets qu'on a appelés Fast Start, en français, financement rapide. Le foyer Ouanrou permet également au Bénin d'aller sur le marché international du crédit carbone. Avec l'économie de 60% de bois énergie qu'engendre ce foyer amélioré de type érythréen, les responsables d'importantes émissions de gaz provoquant le réchauffement de la Terre payent pour le surplus de gaz à effet de serre qu'ils émettent dans l'atmosphère. À ce sujet, Eco Bénin est enregistré dans le marché volontaire et non réglementaire grâce à son guide CO2 Logique, un partenaire belge. Le crédit carbone était effectivement l'une de nos motivations dans le développement du projet du Profaeb. Les 12 000 foyers Ouanrou diffusés dans 6 000 ménages nous permet d'éviter 18 000 tonnes de CO2 par an. Et donc cette quantité de CO2 est mise sur le marché carbone. Si nous prenons par exemple des voyageurs qui viennent de Paris à Cotonou, chaque voyageur contribue à émettre 2,3 tonnes de CO2 pour le voyage, en aller-retour. Lorsque vous faites le point avec les 18 000 tonnes de CO2, nos 12 000 foyers permettent de compenser les émissions de CO2 de 8 000 personnes qui voyagent entre Cotonou et Paris en avion. Et comme on le sait, le rejet du carbone intervient dans le fonctionnement des usines et dans le fonctionnement monsieur, des ménages, surtout quand on utilise par exemple une source énergétique comme le bois. L'achat des crédits carbone des foyers Ouanrou va donc faire gagner de l'argent à l'ONG Eco Bénin qui pourra mieux entretenir les foyers et en fabriquer davantage pour les populations béninoises en zone rurale en général et les riverains du parc national de la Pendjari en particulier. Et c'est tout à l'honneur de ce foyer amélioré, très économique. Isé, isé, isé,
tingari bene yakone yabwa tingari.